Coucou, je vous fais vite fait mon retour de course de chez Auchan. Je viens d'arriver, je suis naze. Alors c'est parti. Alors autant vous dire que c'est 8h30, c'est 20h30 si vous préférez. J'arrive des courses Auchan, je ne peux pas sortir la journée, on a du 41 à l'ombre. Moi, dans la journée, je reste chez moi. Non, non, non. Oui, ben moi, je suis pas gentille pour le moment. Je prends mes tickets parce que je tiens mes comptes. Et puis, c'est tout. Alors, je reviens donc du magasin de Auchan. J'en ai eu pour 32,04 €. Je ne vais pas vous sortir tous les prix. Parce que j'ai du frais et puis j'ai envie de pas tarder non plus à le mettre au réfrigérateur. Alors, j'ai pris deux petits. Alors, il y en a deux, je ne sais pas où est l'autre. Il traîne quelque part. Deux petits sachets de biscuits apéritifs comme ça. Alors, c'est lumière artificielle, hein. J'ai une light ici hein, parce que autrement je n'y arrive pas. Comme vous voyez, il y a la petite lumière. Enfin, c'est pas tout à fait une ring light, c'est une lumière blanche. La ring light pour le maquillage que m'avait offert Séverine, elle est au premier étage. Voilà, ça c'est dans les 66 centimes. Il y en a deux. Je me suis pris des petits biscuits bio de la marque Auchan. 1,28 €, ça je me rappelle, c'est sésame et épeautre. Voilà, pour mes petits goûters. Je me suis pris du saumon à la ciboulette. C'est les petits hachés. Alors, c'est pour ça que j'essaie d'accélérer parce que c'est du poisson. Alors, moi, je ne me suis pas acheté de viande. Je ne veux plus trop manger de viande. Je suis pas très accro à la viande. Donc, ben voilà. Donc, deux petits panés, deux petits hachés. Alors, ça, je crois que c'est 2,59 €. Voilà, 2,59 €. Ensuite, je me suis pris des petits pains hamburgers pour me faire des trucs avec les saumons et pas avec de la viande. Et puis pour le reste, vous allez voir, j'ai des petits trucs à tartiner qui sont pas dégueulasses. Ça promet. Je me suis fait tenter par des petites pommes de terre à rissoler. Vous savez, vapeur sautée et rissolée. Ces petites, ça fait un peu comme des grenailles. 2 euros le paquet. Voilà. Vous en avez quand même 1 kilo. Ça va. Moi, toute seule, je vous garantis que j'en ai pour quelques fois. Ensuite, dans le sac, j'ai pris des œufs. Ça, je me souviens, c'est 1,89 €. Tant qu'à faire, c'était les œufs de Provence. Je les ai pris de chez moi. On va me faire travailler nos poules. Oui, bon. Les vrais de poules. Pas celles qui sont dans la route. Les cocktails de crevettes. Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Cocktails de crevettes roses. Voilà, de la marque Simon. Alors, ça, c'est pour aussi manger avec ça, pour me faire mes espèces de petits toasts. Parce que je vais les faire un petit peu griller. Je vais les couper en deux. Enfin, ils sont déjà coupés en deux. Mais je fais un petit peu griller. Puis après, je me fais des petits toasts et tout. Et puis, j'ai des petits poivrons cuits. Donc, je vais me mettre ça aussi. Ça va être bon. Je vais me faire un petit mélange, tout ça, là. C'est bon. Et ça, c'est 2,29 €. 2,28 €. Ça, c'est des pêches plates. Je m'en suis prise 3. À 2,29 € le kilo. J'en ai eu pour 90 centimes. J'en ai pris 3 ou 4? 3. Oui, parce que 90 centimes les 4, ça serait quand même pas cher. Le deuxième. Alors là, je vous dis ce que je vous montre. J'en ai pour plus d'une semaine, moi. Parce que je ne mange pas tous les jours du poisson. D'ailleurs, j'ai encore des trucs qui me restent. J'ai ma grosse pâte feuilletée qui me reste. Il me reste encore un peu de sardines. J'ai quoi? En surgelé, je dois avoir quelques poissons panés. 3 ou 4 poissons panés. Donc pour une fois. Oui, j'ai encore. Il va m'en rester encore. Ensuite, je me suis pris deux grosses courgettes parce que ben, ma petite Mirou m'a donné envie de me faire une gratin de courgettes. Donc, j'ai pris
ce qu'il fallait. Le kilo à Auchan à 2,99€, j'en ai eu pour 1,97€, mais elles sont grosses quand même. Hein. Voilà, au moins je me remplis mon plat et j'en ai pour plusieurs repas. J'en ai au moins pour 2 ou 3 repas. Je me suis pris de la mère Loïc, figues et noix. Oui, pour manger avec du pain, tout simplement. Vous savez, j'ai des espèces de petites tortillas, j'aime bien m'en étaler un petit peu dessus. Je le roule, ou alors je mets des petits bouts d'olive dedans coupés, je les roule, je me les pique, je me les coupe et je les mange un petit apéritif. Ça, j'aime bien le faire aussi. Bah oui. Ensuite, j'ai pris des abricots. 3,29€ le kilo, j'en ai eu pour 69 centimes. Je crois que j'en ai pris combien, 4 abricots. Voilà. Pardon pour le bruit, mais je ne peux pas faire autrement. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir avec des babas au rhum, mais de la marque Auchan. Alors ça, les babas au rhum de la marque Auchan, je crois que c'était 1,90€ ou un truc comme ça. 1,60€. C'est quoi ça? Baba au rhum, 1,64€. Oh, ça va, les 4, ça peut aller. Ça peut aller. Sachant que ce soir, vers les 10h, vers les 22h, je me prépare mes 9 yaourts pour ben, au moins 4 jours. Un à 2 yaourts, ouais, 5 jours. En 5 jours, j'aurai mangé mes 9 yaourts. Je l'ai fait à ma yaourtière, j'ai une Lagrange pour ceux que ça intéresse, elle est vraiment, vraiment bien. Si vous trouvez cette marque, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, j'ai pris des allumettes fumées, pas les lardons, c'est des lardons, mais coupés en allumettes, c'est-à-dire plus fins, parce que je vais en prendre la moitié pour le petit feuilleté que je vais faire avec la pâte, et l'autre moitié que je vais peut-être mettre avec mes courgettes. Cette fois-ci, j'ai envie de mettre un petit peu d'allumettes grillées, revenues à la poêle, avec mes courgettes. Et puis, si ça ne me pète pas, eh ben, je les mettrai dans les pâtes. Ouh, c'est pas grave. Une toute petite ratatouille pour mettre peut-être avec... ah, mais non, alors si je mets ça, je ne vais pas mettre les allumettes. Ah ouais, je vais mettre ça. Eh bien, alors, les allumettes iront avec mes pommes de terre rissolées. Ouf ! Il y a des astuces. Donc, ratatouille pour une personne, ça, c'est 2,14€. Je me rappelle parce que ça a augmenté, ça m'a gonflé. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est casse-grain. Casse-grain, c'est pour le moment, honnêtement, c'est celle que je trouve la mieux, la meilleure. Je me suis pris des raviolis chèvre épinard. Là, c'est pour 2 personnes, donc j'en ai pour 2 fois. Voilà. Alors ça, par contre, je ne me souviens pas. Je crois que c'est... ah, je ne me souviens pas, ça. €2,59. La musique, c'est pour vous faire patienter. Allez. On chante. Là, par contre, j'ai pris des prunes rouges. J'avais plus de raisins. Vous savez que je suis une folle de raisins. Je n'avais plus de raisins. Il me restait 3 grains éparpillés. Je me suis dit, non, c'est bon. Mais vraiment 3 grains, mais même plus de grappes. Là, ça m'a coûté 3,79€ au kilo. Et j'en ai eu pour 1,31€. Et j'ai 3 belles prunes. Mais elles sont grosses quand même. J'ai hésité avec les petites mirabelles. Vous voyez, elles sont pas mal quand même. Elles tiennent bien. Il y a de quoi. Voilà. En sachant que moi, c'est au minimum un fruit à chaque repas. Hein. Oui. Ensuite, je me suis pris une petite pointe de brie. Alors ça, je ne sais plus, mais c'était pas cher. Dans les 1€. Ça dépassait pas les 1,20€, je crois. Un truc comme ça. Même pas, peut-être. Enfin, bref, voilà, c'est vraiment pas cher. Ça suffit. Avec la Madame Loïc et le reste de petits chèvres que j'ai, ça me suffit. Et enfin, pour le plaisir, je me suis pris mon petit Coca-Cola et du Schweppes
Indian Tonic, mais lui, je prends l'original, je prends le Schweppes, parce que ben, avec la quinine, vous savez que la quinine, ça a des petites vertus aussi. Et oui, donc écoutez, de temps en temps, je me prendrai une petite boisson à la quinine. Voilà, écoutez, ben, moi je suis contente, j'ai fait mes petites courses pour la semaine jusqu'à normalement, jusqu'à mardi, mercredi prochain, j'ai plus à sortir au niveau course, à part vraiment un besoin, si vraiment ben, j'ai mangé tous mes fruits, qu'il me faut de fruits, ben, je sortirai pour des fruits, ou un goût de fromage ou quoi, enfin, voilà. Très certainement que la semaine prochaine, je retournerai chez Action pour me faire un petit plein d'Arizona et de peut-être de bricole. Si besoin, ben, je vous ferai un petit haul. Et puis autrement, ben, je vous trouve juste deux petits trucs par-ci, par-là, ben, je vous ferai des petits shorts. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. Moi, je vais vite ranger mes petites courses. Ciao, ciao. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bye.